Bonjour tout le monde, bienvenue sur Learn French with Escargo. In this video, I will teach you French vocabulary and phrases about restaurants. It can be useful to know some words if you plan to visit the country or if you are already living there. I will try to keep it simple, but as you probably know, French language is not easy. So let's start. As you can see here, we have four different places where you can eat un restaurant, un bistrot, une brasserie et un café. Explaining the differences between these places will take too long, but I will leave links in the description if you want to learn more about it. Just keep in mind that you can eat dans un restaurant, un bistrot ou une brasserie et un café is usually a place for drinks, but they can also serve snacks such as sandwich cheese, salade or croque monsieur. So the first one is aller au restaurant. Aller au restaurant. For example, nous allons au restaurant ce soir. Nous allons au restaurant ce soir. Nous allons au restaurant ce soir. Restaurant ce soir. The next one. To book a table. Réserver une table. Réserver une table. J'ai réservé une table en terrasse pour deux personnes. A bit faster. J'ai réservé une table en terrasse pour deux personnes. J'ai réservé une table en terrasse pour deux personnes. So now let's see the different jobs in a restaurant. We have the waiter, un serveur if it's a man, une serveuse if it's a woman, un serveur, une serveuse. For bartender, we use barman if it's a man, barmaid if it's a woman, un barman, une barmaid. Then in the kitchen, we have the chef. Le chef. Le chef. Then, le sous-chef. Le sous-chef. Le commis de cuisine. Le commis de cuisine. The kitchen clerk. Then, in the luxury establishment, there is a sommelier or wine waiter. Un sommelier. Un sommelier. And a butler, un maître d'hôtel, un maître d'hôtel. And if you need to complain about something and want to talk to the owner of the place, you can ask for le patron, if it's a man, et la patronne, if it's a woman. For example, puis-je parler au patron s'il vous plaît Can I talk to the boss, please puis-je parler à la patronne, s'il vous plaît? So, once you are sitting at the table, the waiter will bring you the menu, la carte, in French. La carte. Inside, you will have different menus and à la carte dishes. Some places also have a wine list, la carte des vins. La carte des vins. For example, If you don't see any wine in the main menu, you can ask the waiter. Vous avez une carte des vins? Vous avez une carte des vins? Vous avez une carte des vins? Then inside the menu, la carte. You usually have different menus or formula with a starter, l'entrée, the main meal le plat principal and the dessert le dessert or cheese du fromage so remember l'entrée le plat principal le dessert du fromage then you have à la carte dishes plat à la carte most of the places also have a kid menu un menu enfant Useful if you have kids. And as you can see on this picture, some restaurants also have a plat du jour. Un plat du jour. It's a formula which changes every day from Monday to Friday. It's usually for workers taking their lunch break. The formula can come with a starter and a main meal, entrée et plat, or a main meal and a dessert, plat et dessert, or all of them. Entrée, plat et dessert. Now it's time to order food. In French, to order is commander. But for Are you ready to order? The waiter will not say Êtes-vous prêt à commander? Instead, he or she will say Vous avez choisi, vous avez choisi, or Vous avez fait votre choix. Vous avez fait votre choix. This can be translated as have you chosen? Then you can reply with your order. Oui, nous allons prendre une choucroute et un cassoulet. Oui, nous allons prendre une choucroute et un cassoulet. Usually, when you receive the menu before to order your food, the waiter will ask you if you want a drink. Désirez-vous un apéritif? Désirez-vous un apéritif? Then you can reply: Oui, une bière pression et un pastis. Oui, une bière pression et un pastis. Then, when the waiter took your order, sometimes they so will ask you if you want to drink wine with your meal. If not, they will remove the wine glasses from the table. Vous prendrez du vin avec le repas? Vous prendrez du vin avec le repas? Vous prendrez du vin avec le repas? Then you can reply. Oui, une bouteille de vin blanc et une carafe d'eau, s'il vous plaît. Oui, une bouteille de vin blanc. Et une carafe d'eau s'il vous plaît. Oui, une bouteille de vin blanc et une carafe d'eau s'il vous plaît. Try to remember carafe d'eau because it's free and if you order a bottle, une bouteille d'eau, you will have to pay for it. Now, if you are végétarienne, you can ask Vous avez des plats végétariens? Vous avez des plats végétariens? Oui, à la troisième page. Oui, à la troisième page. Then, if you order a steak, si vous avez commandé un steak, the waiter should ask you, vous voulez quelle cuisson pour le steak. Vous voulez quelle cuisson pour le steak. Then you can say, à point, s'il vous plaît. À point, s'il vous plaît. If you want it very rare, rare, medium rare, medium or well done, you have to say bleu, saignant, mi saignant, à point ou bien cuit. Now let's see a few examples if you want to inform the waiter about specific things. Je suis végétarien. If you are a man, je suis végétarien. if you are a woman, je suis végétarienne. je suis végétarienne. then, je suis diabétique. je suis diabétique. je suis allergique, for example. je suis allergique au sucre. Je suis allergique au sucre. Je suis allergique à la crème. Je suis allergique à la crème. Here are a few questions often asked in the restaurant. Vous avez des tables non fumeurs en terrasse? Vous avez des tables non fumeurs en terrasse? Vous avez des tables non fumeurs en terrasse Peut-on fumer en terrasse Peut-on fumer en terrasse Peut-on fumer en terrasse Où sont les toilettes, s'il vous plaît Où sont les toilettes, s'il vous plaît Où sont les toilettes, s'il vous plaît Vous avez des toilettes pour handicapés vous avez des toilettes pour handicapés. Vous avez des toilettes pour handicapés. Now, let's see the vocabulary for the drinks. Une boisson, a drink. Un verre de vin. A glass of wine. Une bouteille de vin. Un quart de vin. Une. Demi-bouteille de vin Un verre de jus d'orange Un verre de jus d'orange Un verre de jus de pomme Un verre de jus de pomme A glass of apple juice Un café Un café Un espresso un expresso. If you want a double, you just say. Un double expresso, s'il vous plaît. Une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau pétillante. Une carafe d'eau. Une carafe d'eau. Don't worry, I didn't forget the beer. Une bière pression. A draft beer. Une bière pression. You can also say. Une pression. Une pression. Un demi. Un demi. If you want a shandy. Un panaché. Un panaché. Une pinte. A pint, une pinte, un sérieux. For the last one, sérieux, don't use it in fancy places. It's usually used in bars. Then, depending on where you are in France, the names for the drinks can be different from a region to another one. Let's continue with a few phrases. Boire un verre en terrasse Boire un verre en terrasse Il faisait beau, nous avons bu un verre en terrasse Il faisait beau, nous avons bu un verre en terrasse Prendre un café en terrasse Prendre un café en terrasse Le matin, J'aime bien prendre un café en terrasse. Le matin, j'aime bien prendre un café en terrasse. Manger en terrasse. Manger en terrasse. Il pleut. On ne peut pas manger en terrasse. Il pleut. On ne peut pas manger en terrasse. Manger en salle au bar, au comptoir, la terrasse est pleine mais vous pouvez manger en salle ou au bar. La terrasse est pleine mais vous pouvez manger en salle ou au bar. Once you are done eating, the waiter will ask you vous avez terminé? Vous avez terminé? Or vous avez fini Vous avez fini Oui, nous avons terminé. Oui, nous avons terminé. Or, oui, nous avons fini. Oui, nous avons fini. Then, The Waiter will ask, puis-je vous débarrasser Puis-je vous débarrasser Oui. S'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. And after that, the waiter will ask you if you want a dessert or coffee. Désirez-vous la carte des desserts? Désirez-vous la carte des desserts? Oui, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. and he or she will take your order. Vous avez fait votre choix Vous avez fait votre choix Oui, un sorbet citron et un expresso, s'il vous plaît. Oui, un sorbet citron et un expresso, s'il vous plaît. Now that you are full, it's time to pay, so you will ask for the bill, l'addition. L'addition. L'addition, s'il vous plaît. L'addition, s'il vous plaît. And if the service was good, you can leave a tip, un pourboire. Un pourboire. Le serveur était sympa. Je lui ai laissé un pourboire. Le serveur était sympa. Je lui ai laissé un pourboire. Voilà, we are almost done with this lesson. The last word, you probably already know it. Enjoy your meal, bon appétit. Bon appétit. And when you come to France, don't forget to try our specialities. Below are some popular ones: choucroute, la choucroute, cassoulet, le cassoulet, quiche lorraine la quiche lorraine coq au vin le coq au vin huître les huîtres boeuf bourguignon le boeuf bourguignon we are finished for today i hope you like it and if you have any question please leave a comment below see you next time have a good day